Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool au Mike. Et je vous tiens au courant de la suite des événements. Franchement, putain, des trucs de malade qui s'est passé. Alors déjà hier sur ma vidéo que je vous avais fait, la vidéo irréelle, j'ai été au Carrefour, enfin j'ai retéléphoné au Carrefour pour voir s'il y avait des précommandations sur PlayStation 5 aujourd'hui. Ils me disent, ah non c'est clôturé. Et je fais quoi, vous foutez de ma gueule ou quoi? Hier je vais à première heure et tout, je peux pas réserver ma PlayStation 5 parce que c'est pas encore disponible, vous me dites, vous avez aucune information. Et là, vous me dites qu'il y a plus de consoles à précommander. Bah vas-y c'est bon, tu sais quoi, laisse tomber. J'ai coupé au cours et j'ai raccroché, j'avais tellement le seum. Mais hier, vous l'avez vu dans ma vidéo, j'ai retourné ciel et terre et tout, et j'ai trouvé Dreamland qui est juste un magasin à côté du Carrefour en plus de chez moi, donc c'est juste à côté, j'aurais juste allé à côté et boum, j'aurais ma console. Parce qu'en fait, donc hier je téléphone et tout, à 9h55, 5 minutes avant que le magasin il ouvre, et je fais ouais bonjour, je pourrais commander une PlayStation 5. Ils me font bah les précommandes c'est seulement demain, mais si vous voulez je peux prendre votre précommande aujourd'hui. Je fais ok ça va, prends ma précommande et franchement tu me sauves la vie et tout, 5 minutes avant qu'ils ouvrent. Et apparemment quand j'ai retéléphoné, parce qu'en fait ce soir, enfin cette nuit, j'ai fait un rêve trop bizarre, je rêvais, c'est même pas un rêve, c'est un cauchemar, je rêvais que j'aurais pas la PlayStation 5. Que en fait, comme j'avais pas payé d'acompte et tout, que j'étais pas dans les premiers, etc. Donc aujourd'hui, je retéléphone et tout à Dreamland et je fais ouais, excusez-moi, je viens de faire un cauchemar et tout, il faut que je lui dis tout, tu vois. Je fais ouais, je fais un cauchemar et tout. Apparemment, j'aurais pas ma PlayStation 5 dans mon cauchemar. Je veux une sécurité. Dites-moi dans votre base de données si il y a bien une console PlayStation 5 disponible pour moi, qu'elle est bien disponible pour le 19 novembre. Et je lui dis ouais, c'est parce qu'en fait j'ai reçu j'en ai parlé avec des potes et les potes ils me disaient ouais c'est bizarre que vous payez pas d'acompte pour précommander. Et en fait Dreamland il ne prend aucun acompte, il veut pas qu'on paye la console, il veut pas qu'on prenne d'acompte, il prend le premier qui a commandé, boum c'est bon tu vois. Et là justement elle me dit bah en fait hier il y a eu tellement d'appels que en fait on a été submergé de précommandes, donc je sais pas si vous serez dans les premiers mais on vous tient au courant par mail. Et là j'ai reçu un mail les potos, voilà pour la petite histoire, franchement c'était insane. Mais voilà pour la petite histoire. Et regardez, votre PlayStation 5 vous attend le 19 novembre. Félicitations, vous avez été parmi les tout premiers à commander une PlayStation 5. Vous avez peut-être reçu... Ouais, hier en fait, ils ont dit qu'on avait reçu un mail en fait cette nuit. Donc regardez, cette nuit j'ai reçu un mail disant qu'il y aurait 16 semaines de délai de livraison. Donc ça, voilà, c'est pas possible quoi, tu vois. Et là ils disent que les délais de 16 semaines... Ben, qu'on peut ignorer le mail et tout, et que je l'aurai bien le 19 du 11 2020. Et là, regardez, encore en plus, ils m'envoient sur un site, donc sur leur site, où on peut déjà acheter les jeux, ok? On peut déjà précommander les jeux. Donc, voyons voir, parce que j'ai pas encore regardé, mais voyons voir les jeux qu'il y a ensemble. Donc, il y a Cold War, que j'ai déjà précommandé. Il y a Assassin's Creed, Valhalla. Ouh, ça a l'air pas mal, c'est le temps des Vikings. Oh là 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 là, ça a l'air pas mal. Je sais pas si je le prendrai, Far Cry 6, ça m'intéresse. Quoi? Ah, GTA 5, ouais, ça j'achèterai sûrement. Watch Dogs Legion, Demon's Souls, NBA. Oh, le truc de Fortnite, il sort en même temps ou quoi? C'est quoi cette histoire? PS5, ah ouais, PS5, Fortnite, The Last Logged, Bumble. Attends, ça veut dire qu'il sortira pas avant la PlayStation 5 celui-là? What the fuck? Donc voilà les potos, voilà, je suis trop hype, je suis trop content. C'est dommage, il n'y a pas plus de jeux, sérieux. Et le prix des jeux, c'est 70€, 65, 60... Ouais, voilà, apparemment, j'avais lu que ce serait... Attends, on va mettre 100, pour voir. Que ce serait maximum 80€ un jeu. Et là, ça va, en fait. Hein. Ils sont à 70, c'est comme sur le PlayStation Store. Mais à mon avis, sur le PlayStation Store de la PS5, ça coûtera sûrement 80€. En tous les cas, les potos, je suis désolé, mais moi, je suis super content. J'espère que vous êtes contents pour moi. Je suis vraiment désolé pour tous ceux qui n'ont pas réussi à avoir de PS5. Parce que, ben, voilà, il fallait vraiment se lever tôt. Fallait tout faire pour en avoir une. Et j'ai aucun de mes potes, sauf un, qui a réussi à l'avoir. Mais celui qui a réussi à l'avoir, il l'a précommandé le jour avant parce qu'il connaissait le type qui travaillait chez Smart Toys. Donc, il lui a précommandé dans les premiers pour être sûr. Mais tous les autres potes, Johnny, Audrey, Melo, même Gaëtan, enfin, tous mes potes, ils n'ont pas de PlayStation 5, les mecs. Tous les potes, ils sont en file d'attente. Et apparemment, il y a des rumeurs qu'il y aura soit un arrivage de console PlayStation 5
en décembre, voire janvier. Et s'il n'y a pas en décembre et en janvier, mais c'est sûr, moi je pense qu'il va y avoir un autre arrivage de PlayStation 5 pour les fêtes. C'est pas possible qu'ils passent Noël sans la sortie de la PlayStation 5, ils vont perdre un blindé de thunes. Mais apparemment, si vraiment il n'y a pas, et j'espère qu'il y aura, et normalement c'est sûr il y aura, mais s'il n'y a pas, ce sera au mois de mars les mecs, au mois de mars. Vous imaginez, franchement j'aurais dû acheter 10 consoles et les revendre à mes abonnés, ouais, putain, sérieux, mais c'est parce que j'avais pas la thune. Mais ouais, c'est un truc de malade. Enfin bref, j'espère que vous êtes contents, j'espère que ça vous fait plaisir que moi, ben, vous êtes contents pour moi, voilà. Merci, merci à tous ceux qui sont contents. N'hésitez pas à liker la vidéo, franchement c'est le pire bonheur. Là je suis content, là ma nouvelle femme elle va arriver le 19 novembre, je suis trop content. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Et on se retrouve sur la PlayStation 5. Non, je rigole, on se retrouve bien avant. Et sur ce, ben, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.